Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo comme ça pour s'amuser. On va passer aujourd'hui à une démonstration, plutôt une dégustation d'un truc dingue que j'ai trouvé, le Coca-Cola russe. Alors je vais vous le montrer. Il s'appelle Baikal. Baikal, carbonati. Et date de 77. Ah, le fameux Coca-Cola russe. Incroyable, mais ouais. Il porte le nom d'un grand lac en Sibérie. Il devait concurrencer à l'époque, en pleine guerre froide, le Pepsi ou le Coca américain. Alors maintenant, reste à savoir, est-ce que c'est bon? Parce qu'il y a des fois, il existe beaucoup de sortes de Coca, mais celui-là, je les ai presque tous goûtés. Il y a le Meca-Cola, le Brescola, et maintenant le Baikal. Alors est-ce que c'est bon? Oh, bah, ça va tout de suite, hein. Il y a beaucoup de dents. Ouais, il est pas extraordinaire. Il y a vraiment. Voilà. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'eau, du sucre, des traits de blé noir, du blé lait, de l'acide citrique, fabriqué en Russie. Oh là là. Regardez. C'est vraiment un bout d'histoire qu'on a là. Je sais pas s'il y a des grosses bouteilles ou... Oui, oui, on peut encore trouver du Coca-Cola russe. Il est là. Baikal. Comme voilà. Allez, on s'en remet une goutte. Notre revient. Ouais. Sympa. Allez, à plus.